Varsovie est pleine de légendes absolument, absolument fabuleuses. Bonjour. Bonjour. Voilà, c'est Mariola. Quelle légende vas-tu raconter? Les sirènes. Aussi le canard d'or. On y va? Oui, on y va. Envie de voyager, découvrir, ou rêver. Le souterrain où la princesse transformée en canard d'or était gardée prisonnière se trouvait sous le château Ostrogski, qui aujourd'hui est le musée Chopin. La légende dit qu'il y a plusieurs années, vivait une princesse enchantée transformée en canard d'or dans le cachot du château d'Ostrogski. On disait qu'il pourrait faire un riche qui pourrait la trouver. Beaucoup d'hommes courageux en essayaient, mais sans succès. Un jour, un jeune cordonnier est allé dans le cachot du palais et il a rencontré le canard d'or. Le canard d'or lui a promis beaucoup de richesses, à condition de penser tout cela en une journée et deuxièmement sans rien donner à personne. Il a vécu toute la journée très bien, il a bien profité de la vie, et il a bien mangé, il a acheté des vêtements. Mais à la fin de la journée, le cordonnier éprouvait de la pitié pour un jeune soldat qui lui avait donné ses dernières monnaies. Et il avait immédiatement perdu tout ce qu'il avait acheté. Puis, il a compris que ce n'est pas l'argent qui donne le bonheur, mais c'est le travail et la santé. Envie de voyager, découvrir ou rêver ?